Salut tout le monde, bienvenue sur sa chaîne et aujourd'hui j'ai une vidéo vraiment cool à vous proposer. En fait, je suis en train de scroller sur Instagram et j'ai vu cette vidéo-là puis j'ai fait « Ooh girl, that's a trend, then I wanna try ». La fille sur la vidéo, elle a une perruque et elle regarde elle une vidéo qui lui dit « La nouvelle trend, c'est de matcher tes sourcils, tes lashes, ton eyeliner et tes lèvres avec la couleur de tes cheveux. » Obviously, je me suis dit que j'allais essayer de kick up un peu ce challenge-là et que j'allais prendre une perruque d'une couleur un peu moins naturelle. J'ai donc décidé d'y aller avec cette perruque rose vraiment flash, qui est une perruque de show que j'aime beaucoup, qui est très, très, très rose, très, très flash. Elle a besoin d'un peu d'amour, sachez-le. Mais je vais la styler et je vais en profiter pour ce challenge-là, pour utiliser ma nouvelle palette de Juvia's Place, qui a exactement la même couleur ici, la même couleur de eyeshadow que la perruque. Donc, ça va être vraiment hot. Je vais également utiliser mon gloss préféré de NYX Cosmetics, qui est vraiment un rose Barbie, qui se rapproche étrangement de la couleur de la perruque. Donc, j'ai très hâte d'essayer ça. Mais juste avant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à thumbs up, subscribe, activer la petite cloche pour être certain de jamais manquer lorsque je pose une nouvelle vidéo. Pour un maximum de contenu, je vous invite à me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok, qui apparaissent ici. Et sans plus attendre, guys, let's dive in! Ok, guys, the wig is on. So bright. And I look dead. J'ai l'air de ne pas avoir de vie d'en face parce que la couleur est tellement insane, c'est tellement intense. But bitch, I'm living my doll fantasy. Et là, je vais aller hors caméra, je vais faire mon make-up, ma base et tout. Puis je vais revenir pour faire les sourcils, le eyeliner, les cils et les lèvres. Rose, la même couleur que ma perruque, puisque c'est le challenge dans lequel je me suis embarquée aujourd'hui. Alors, hors caméra, I'm gonna put my face on! Ok, donc là tout le monde, je suis allée hors caméra, j'ai fait toute ma base, mon contour. J'ai même eu le temps de faire un petit live Facebook, la magie du montage. Donc là, je suis prête pour embarquer dans ce challenge-là. Là, je ne sais pas trop exactement par quelle étape commencer. Je ne sais pas trop exactement où je m'enligne dans tout ça. Donc, je vais y aller étape par étape. Je vais faire exactement ce que je fais quand je me maquille régulièrement. Et ben c'est ça. On y va!
Donc, voilà les babes. C'est le one challenge, one color challenge done. Et je vais être très honnête avec vous, je suis comme pas contre cette vibe-là. Évidemment, là, j'allais mettre un petit top et des petites boucles d'oreilles, tu sais, juste un peu plus Barbie-ish. Mais pour de vrai, je suis pas contre le look. Là, j'avoue, je l'ai pas peaufiné comme j'aurais pu le peaufiner vraiment parce que je me suis laissée aller dans mon excitation de ce challenge-là. Mais somme toute, je trouve vraiment que le look est très cool et c'est certain que je vais turn out ce look-là. Pour de vrai, je vais réutiliser ça, je trouve ça écœurant. Et le fait que toutes les roses soient exactement identiques, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment un look, je pense, que je peux pull out pour sortir. Et même pour un show, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de très, 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 très cool. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de thumbs up ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye les amours. Puis ben yes.